Donc, bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger les exercices 59 à 65, page 276, puis 73, 83 et 89 des pages suivantes de la convexité. Donc pour l'exercice 59, il s'agit de considérer la fonction f k 2 fois dérivable. En fait, mathématiquement, on note ça de classe C2, même si C2 rapporte un petit renseignement de continuité supplémentaire, sur R, dont la dérivée K' de x est égale à 3x moins 12 au cube, facteur de exponentielle de x. Et on nous demande dans un premier temps de calculer K secondes, donc K' est dérivable. La fonction K' est dérivable comme produit et composé de fonctions dérivables. Puisque c'est le produit des fonctions U et V avec U de X qui est 3X moins 12 au cube, donc c'est la composé de la fonction affine qui a x associé 3x moins 12 et de la fonction cube et de la fonction v de x égale exponentielle de x. Donc puisqu'on doit dériver un produit, encore une fois, on rappelle la formule de dérivation du produit uv prime est égal à u' v plus v prime u. Pour dériver u, on utilise la formule de dérivation d'une puissance. L'exposant passe devant, on enlève 1 à l'exposant et on multiplie par la dérivée de la fonction. Donc a puissance n prime, c'est n fois a puissance n moins 1 fois a prime. Donc là en l'occurrence, n est égal à 3 et a de x est égal à 3x moins 12. Donc a prime de x, c'est la dérivée de 3x moins 12, donc c'est 3. Et donc pour dériver la fonction u, c'est donc 3 fois 3x moins 12 puissance 2 multiplié par la dérivée de 3x moins 12, donc 3. Bon, on arrangera un petit peu quand on fera le calcul. Et v' de x, puisque la fonction v de x est exponentielle, c'est sa propre dérivée. Donc pour calculer la dérivée de k', donc k seconde, on applique notre formule. Et on a donc u'v, donc 3 fois 3, 9 facteur de 3x moins 12 au carré, fois v exponentielle de x, plus v'u, donc plus exponentielle de x, facteur de 3x moins 12 au cube. Donc le plus grand facteur commun à cette somme, c'est exponentielle de x fois 3x au, moins 12 au carré. Donc 3x moins 12 au cube, c'est rien d'autre que 3x moins 12 au carré fois 3x moins 12. Et ainsi, on peut factoriser par 3x moins 12 au carré fois exponentielle de x, qui est facteur de 9 plus 3x moins 12. Bon, j'ai pas besoin de mettre des parenthèses puisqu'elles sont précédées du signe plus. Si on réduit à l'intérieur de la dernière parenthèse, on a donc l'expression de k seconde, c'est 3x moins 12 au carré fois exponentielle de x multiplié par 3x moins 9. Pardon, 9 moins 12 ou moins 3. Qu'on va d'ailleurs factoriser par 3. Ça va être. Non, bah c'est cette expression-là auquel ils s'attendent. Donc on est content. Alors, donc maintenant il va falloir étudier le signe de cette quantité-là. Donc 3x moins 12, c'est un carré. Donc c'est positif. Exponentielle de x, la fonction exponentielle est toujours positive dans R. Et donc le signe de k seconde est le signe de 3x moins 3. Bon ben ça c'est facile, hein, c'est une fonction affine, on sait tous étudier le signe d'une fonction affine à notre âge. Donc le signe de k seconde est celui de 3x moins 3.
donc le signe de 3x moins 3, donc je change de page. Donc la fonction kx associe 3x moins 3 est une fonction affine croissante qui s'annule en 1. Donc elle est d'abord négative, puis positive. Donc on va pouvoir dresser le signe sur R de la fonction k seconde. Alors, on a dit que c'est une fonction affine croissante, donc négative puis positive. On en déduit les variations de k'. Ah, bah non, c'est juste le signe qui nous intéresse, pardon, puisque le but, c'est de trouver la convexité de la fonction k. Alors, donc, on sait que lorsque la dérivée seconde est positive, la fonction k est convexe, puisque sa dérivée va être croissante. Et là où k seconde est négative, la fonction k, elle est concave, puisque sa dérivée est décroissante. Et en 1, la dérivée seconde s'annule et change de signe, donc 1 est l'abscisse du point d'inflexion. Et ça termine donc cet exercice-là. Voilà. Alors, donc on passe à l'exercice 60. Alors, l'exercice 60, de quoi est-il question? Donc, on considère la fonction f définie sur 1 moins x exponentielle de 3x, mais pour x compris entre 0 et 1. Alors, est-ce que la fonction est concave sur l'un des trois intervalles donnés, et si oui, lequel? Bon, bah pour savoir la concavité, pour connaître la concavité ou la convexité d'une fonction, on calcule la dérivée seconde et on étudie le signe ou on étudie le sens de variation de f'. Donc pour calculer f seconde, on calcule d'abord f'. F', c'est le produit de la fonction kx associée à moins x et de la composée de la fonction kx associée à 3x, puis d'exponentielle. Donc f est dérivable comme produit de fonction dérivable. Donc on calcule la dérivée de exponentielle de 3x, donc c'est la dérivée de 3x, donc 3, multiplié par la fonction qu'on avait à dériver exponentielle de 3x. On applique la formule de dérivation de notre produit. Et donc, ce qui nous donne que la fonction f' est égale à u' fois v, donc moins 1 fois exponentielle de 3x, plus v' u, donc plus 3 fois exponentielle de 3x, multiplié par 1 moins x, et on n'omet pas les parenthèses, surtout. Maintenant, on factorise par le facteur commun évident qui est exponentiel de 3x, qui est facteur de moins 1 plus 3 facteurs de 1 moins x. Et là encore, il ne faut pas oublier les parenthèses. Exponentiel de 3x, facteur de moins 3x plus 2. Bon, 2 moins 3x, c'est très bien. Donc ça, c'est f' de x. On doit la dériver une nouvelle fois afin d'obtenir f seconde.
Donc la formule du produit reste la même. Je ne voudrais pas changer de page pour avoir tout sous les yeux. Alors, donc cette fois-ci, ce qui va jouer le rôle de U de X, c'est 2 moins 3X. V de X n'a pas changé, c'est exponentielle de 3X. U prime vaut donc moins 3. Et la V prime n'a pas changé, c'est 3 exponentielles de 3X. Bon, j'ai omis de mettre les X. Hein. Et on calcule f seconde de x en appliquant la formule de dérivation du produit noté ci-contre. Alors, u'v, donc moins 3 exponentielle de 3x, plus v'u, 3 exponentielle de 3x, facteur de 2 moins 3x. On met en facteur 3 exponentielle de 3x, qui est facteur de moins 1 plus 2 moins 3x. J'ai pas besoin de mettre des parenthèses puisqu'elles sont précédées du signe plus sans facteur. Et donc c'est 3 exponentielle de 3x facteur de 1 moins 3x. Voilà. Donc ça, c'est f seconde. Donc on va pouvoir en étudier le signe puisque le premier facteur, c'est 3 fois une exponentielle et le signe, c'est 1 plus 1, ça. Et donc le signe de f seconde, c'est le signe de 1 moins 3x. Alors, je ne sais pas. Bon, bah tant pis, je vais quand même l'écrire. Oui. Alors, bon, on se rappelle, 3 exponentielle de 3x, facteur de 1 moins 3x. Je change de page. Alors, donc, il s'agit d'étudier le signe de cette quantité-là. Donc, c'est du signe f seconde et du signe de 1 moins 3x. Qui est une fonction affine décroissante qui s'annule en x égale 1 tiers. Donc si on a une fonction affine décroissante qui s'annule en 1 tiers, elle est d'abord de signe positif, puis de signe négatif. Elle va de plus grand en plus petit. Et donc on va pouvoir en déduire la convexité ou la concavité ainsi que le point d'inflexion de f. Donc là où f seconde est positive, f est convexe. Là où f seconde est négative, f est concave. Au point d'abscisse 1 tiers, f seconde est nul et change de signe, donc c'est un point d'inflexion. Donc le point d'abscisse 1 tiers de CF est point d'inflexion. Alors, donc, ah pardon, on étudie sur 0,1, excusez-moi, on ne la connaît pas ailleurs. Donc, autrement dit, la fonction est concave sur l'intervalle 1 tiers 1, donc c'est la réponse 3 qui est correcte. Correcte, donc f concave sur l'intervalle 1 tiers 1. La courbe représentative admet comme point d'inflexion, donc c'est le point de la courbe
d'abscisse 1 tiers. Ça, c'est un petit b. Donc, il faut calculer les coordonnées du point I, qui est le point d'abscisse 1 tiers et qui a pour image l'image de 1 tiers par la fonction f. Alors, f de 1 tiers, ça fait combien? 1 moins 1 tiers de tiers, exponentielle de 3 tiers. Donc, c'est le point de coordonnées 1 tiers, 2 tiers fois e, qui est le point d'inflexion. Et ça termine le 60, on va pouvoir s'attaquer au 61. Donc là, il me faut une nouvelle page. Alors, l'exercice 61. J'arrive pas à pousser les bords. Non, je peux pas. Alors, l'exercice 61, donc on considère la fonction f polynomiale qui est x4 moins 2x3 moins 12x2 plus 8x plus 6. Alors, petit a, conjecturer la convexité de f à l'aide de la calculatrice. Eh bien, je ne le ferai pas parce que j'ai pas ma calculatrice avec moi. Et je suppose que vous êtes assez grand pour le faire tout seul. Déterminer le signe de f seconde. Donc, pour déterminer le signe de f seconde, on va calculer f seconde. Et pour calculer f seconde, il faut d'abord calculer f prime. Alors, donc f, elle est dérivable car polynomiale. Elle est indéfiniment dérivable car polynomiale. On dit que c'est une constante classe c'est infini. Même si évidemment, au-delà de la dérivée quatrième, c'est nul. Alors, f' de x égale. Alors. Oh, j'ai oublié un moins devant, Donc c'est moins 4x au cube, moins 2 fois 3x au carré, moins 12 fois 2x, plus 8. Donc je vous rappelle, hein, la dérivée de x puissance n, c'est n fois x puissance n moins 1, fois la dérivée de x, donc 1. C'est toujours la même formule en fait. Et donc là, on va arranger un petit peu l'expression de f' pour qu'elle soit plus sympathique. Donc c'est moins 4x au cube, moins 6x au carré, moins 24x plus 8. F' est polynomiale, donc dérivable. Et sa dérivée, donc f seconde de x, c'est donc moins 12x au carré, moins 12x, moins 24. Et qu'est-ce qu'on nous demande? Déterminer le signe. Alors, donc, pour déterminer le signe de cette expression, moi je préfère factoriser hein, quand même, je suis désolée. Donc, je vais commencer par mettre moins 12 en facteur, c'est facteur de x au carré plus x moins plus 2. Et je cherche à étudier le signe de cette quantité-là. Alors, soit je peux calculer le discriminant, soit je peux mettre la parenthèse sous forme canonique. Et donc, c'est x plus 1 demi au carré moins 1 quart plus 2. 2 moins 1 quart, ça fait 7 quarts. Donc c'est moins 12 facteur de x plus 1 demi au carré plus 7 quarts. Bon bah 7 quarts plus 1 carré c'est toujours de signe positif. Donc moins 12 et donne le signe de f seconde. Donc quel que soit x, f seconde de x est tout le temps négative. Donc f est concave. Sur R tout entier.
Alors, on passe au 62. Alors, le 62. J'ouvre une nouvelle page. 62. Donc, il s'agit d'étudier la fonction kx associe 1 cinquième de exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Donc ça, c'est un multiple d'une fonction qu'on appelle sh, donc sinus hyperbolique. Donc la courbe, elle ressemble à ça. Non d'ailleurs, parce que la tangente c'est le premier axe des abscisses. Attendez, elle s'écrase moins. Je vais vous la refaire. La courbe que j'ai faite, c'est par exemple tétro à x au cube, sh. Sa tangente en 0, c'est l'axe c'est la première bisectrice. Donc sa courbe, il faut qu'elle arrive. Voilà. Là, c'est mieux. Donc ça, c'est la courbe de la fonction f. Alors, j'ai pas besoin de calculatrice. Déterminer le signe de f seconde suivant les valeurs de x. Donc f est dérivable comme différence est composée de fonctions dérivables, puisque la fonction kx associée exponentielle de moins x est une composée. Alors, donc f dérivable comme différence est composée de fonctions dérivables. Donc, si on calcule la dérivée, c'est 1 cinquième multiplié par la dérivée d'exponentielle de x, donc exponentielle de x, moins la dérivée d'exponentielle de moins x, donc moins exponentielle de moins x. Donc, c'est 1 cinquième facteur de exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Donc, ça, c'est un multiple de la fonction qu'on appelle ch, sinus hyperbolique. On la redérive. F' est dérivable comme somme est composée de fonctions dérivables. Alors, sigma, c'est le symbole pour somme, et petit rond, c'est symbole de composition. Vu que je la flemme d'écrire les mots entièrement. Et donc, f seconde, ça va être 1 cinquième multiplié par la dérivée d'exponentielle de x exponentielle de x, plus la dérivée d'exponentielle de moins x, donc moins exponentielle de moins x. Et donc ce qu'on observe, c'est que f seconde est sa propre dérivée. F seconde est égale à la fonction dont elle est la dérivée seconde. Alors, ensuite, étudier le signe de cette quantité-là. Alors, le signe, donc pour étudier le signe, il faut factoriser un maximum. Un cinquième, ça ne va pas nous poser grand problème, mais il va falloir trouver comment est-ce qu'on factorise exponentielle de x moins exponentielle de moins x, ce qui n'est pas évident, comme ça. Donc, pour ce faire, on va dire ce qu'est exponentielle de moins x. C'est 1 sur exponentielle de x. Bon, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que vous transformez cette écriture? Parce que je veux faire apparaître une différence de 2 carrés. Et donc, si on met au même dénominateur, on a exponentielle de x au carré moins 1 divisé par exponentielle de x. Bon, exponentielle de x est toujours positif, donc ça ne va pas me gêner beaucoup pour étudier le signe. Et ce qui vient dans ma parenthèse, c'est exponentielle de x au carré moins 1, c'est-à-dire moins 1 au carré. Donc on se rappelle l'identité remarquable, a carré moins b carré, la différence de 2 carrés, ça se factorise comme étant a moins b facteur de a plus b. Ce qui joue le rôle de a ici, c'est exponentielle de x. Ce qui joue le rôle de b ici, c'est 1. Et donc on va pouvoir factoriser l'expression de f seconde
et l'écrire sous la forme exponentielle de x moins 1, facteur d'exponentielle de x plus 1. Alors, donc, 1 cinquième de l'exponentielle, 1 sur 5 exponentielle de x, c'est positif. Exponentielle de x, c'est positif, donc exponentielle de x plus 1, a fortiori, c'est positif. Et le signe de f seconde, c'est le signe de exponentielle de x moins 1. Alors, donc, on se rappelle le signe d'exponentielle de x moins 1. Donc, exponentielle de x, je vous rappelle, elle ressemble à ça. Elle est strictement croissante, positive, en 0, elle vaut 1, et en 1, elle vaut e. Donc, ça veut dire que si x est négatif, exponentielle de x est plus petit que 1, donc exponentielle de x moins 1 est négatif. Et si x est positive, exponentielle de x est supérieure à 1, donc exponentielle de x moins 1 est positive. Donc ça, ça va nous permettre de donner le signe de f seconde de x. Donc f seconde de x, bon, je le mets dans un tableau, c'est plus joli. Alors, donc la valeur charnière dans laquelle elle change de convexité, de signe, pardon, c'est 0. Donc si x est compris entre moins l'infini et 0, donc si x est négatif, exponentielle de x moins 1 est négative, donc f seconde est négative. Et si x est positif, exponentielle de x moins 1 et donc f seconde est positive. Donc on en déduit la convexité de f. Alors, là où f seconde est négative, f est concave. Là où f seconde est positive, f est convexe. Et en 0, il y a un point d'inflexion, mais ça ne nous est pas demandé. Et donc effectivement, compte tenu de l'allure de la courbe que vous obtiendriez sur votre calculatrice, sur la partie des valeurs de x négatives, on s'apparente bien quasiment à... Enfin, c'est la même allure que moins x au carré, donc c'est bien concave. On est en dessous des tangentes. Alors que pour la valeur de x positive, on est bien au-dessus de nos tangentes. Et ça s'apparente bien un petit peu à la courbe de x au carré. Donc c'est convexe. Et en 0, on traverse la tangente. Enfin, la courbe traverse la tangente. Donc elle est bien. C'est un point d'inflexion. Et voilà. On va pouvoir passer à l'exercice 63. Donc là, je prends une nouvelle page. Donc, il s'agit d'étudier la convexité de la fonction polynomiale qui à x associe moins 2x au cube, moins 3x au carré, moins 12x plus 4. Donc, on calcule f' et f seconde. Donc, f, elle est de classe infinie, donc infiniment dérivable, car polynomiale. Donc on peut notamment la dériver deux fois. F' de x est donc égal à moins 2 multiplié par 3x au carré, donc moins 6x au carré. Moins 3 multiplié par 2x, moins 6x, moins 12. On dérive une deuxième fois pour avoir f seconde, moins 12x, moins 6. On factorise par le facteur commun évident moins 6, qui est facteur de 2x plus 1. Et donc, le signe de f seconde, c'est l'opposé du signe de moins 2x plus 1, qui s'annule en moins 1 demi. Moins 2x plus 1, c'est une fonction affine croissante qui s'annule en moins 1 demi. Donc, elle est d'abord négative, puis positive.
le signe de moins 6, évidemment, c'est une quantité tout le temps négative, quel que soit x. Et donc, on en déduit le signe de f seconde de x, qui est d'abord positif, qui s'annule en moins 1/2 et qui est négatif après. Donc, le signe de f seconde nous donne la convexité de f. Donc, là où f seconde est positive, f est convexe. Là où f seconde est négative, f est concave. L'abscisse du point à laquelle f seconde s'annule et change de signe est un point d'inflexion. Donc le point I de coordonnées 0, f de 0, donc 0, 4, est un point d'inflexion. Ah non, pardon, on nous demande que l'abscisse d'éventuel point d'inflexion. Donc l'abscisse d'éventuel point d'inflexion, c'est 0. Je ne vais pas faire du zèle. Tac. Alors, on passe à l'exercice 64. Est-ce que je prends une nouvelle page? Oh oui, allez, ne soyons pas avares. Donc, je prends une nouvelle page. Donc, cette fois-ci, on considère la fonction qui a x associé 2 divisé par x au carré plus 2. Alors, elle est bien définie sur R tout entier, puisque son dénominateur étant la somme de 2 et d'une quantité positive ne s'annule jamais. Une fonction rationnelle est de classe infinie, donc indéfiniment dérivable, sur son ensemble de définition. Donc, on peut dériver allègrement f. Alors, pour dériver f, soit on utilise le fait que c'est le double d'un inverse, soit on la voit comme étant un quotient. Moi, j'aime pas utiliser la formule de l'inverse, donc je préfère utiliser celle du quotient. Donc, bon, je vais quand même faire les deux pour que vous choisissiez la formule que vous utilisez préférentiellement. Donc, soit on dit que f de x, c'est 2 fois 1 sur x au carré plus 1. Et dans ce cas-là, f prime de x, c'est 2 fois la dérivée de 1 sur x au carré plus 1. Donc ce qu'on sait, c'est que la dérivée de 1 sur u, c'est moins u de x, moins u prime de x facteur de divisé par u carré de divisé par u carré. C'est une façon de le voir. Et dans ce cas-là, on dirait que u de x, c'est x au carré plus 1. U prime de x, c'est 2x. Et donc f prime de x, c'est 2 fois l'opposé de la dérivée, donc moins 2x, sur le carré de x au carré plus 1. Ce qui nous donne moins 4x sur un carré. Ça, c'est une façon, hop là, c'est une façon d'obtenir f'. Une autre façon d'obtenir f', c'est de laisser f sous sa forme originelle, donc ne pas la transformer du tout, et utiliser la formule de dérivation du quotient u'v moins v'u sur v carré. U de x, c'est le numérateur c'est 2, dont la dérivée est 0. V de x, c'est x au carré plus 2, dont la dérivée est 2x. Et donc, on peut calculer f prime de x en appliquant notre formule u prime v, donc 2x fois 2, 4x. Non, u prime, pardon, u prime v, 0 fois x au carré plus 2, moins v prime u, donc moins 4x, sur x au carré plus 2 au carré. Donc u prime v moins v prime u sur v carré. Évidemment, on tombe sur la même chose.
Nous, il nous faut calculer évidemment f seconde. Donc on va dériver une nouvelle fois. Ça c'est bien prime. On va dériver une nouvelle fois f prime pour obtenir f seconde. Voilà. Donc je réutilise moi la formule du quotient que je n'ai pas besoin de réécrire si elle est sous. Donc f prime est dérivable comme fonction rationnelle dont le dénominateur s'annule jamais. Alors, donc ce qui joue le rôle de u de x, c'est moins 4x. Ce qui joue le rôle de v de x, c'est x au carré plus 2 au carré. La dérivée de u, c'est moins 4. La dérivée de v, donc c'est une fonction au carré. Donc pour la dérivée, l'exposant passe devant, on enlève 1, l'exposant, on multiplie par la dérivée de la fonction sous la puissance. Donc v', c'est 2 facteurs de x au carré plus 2 puissance de moins 1, donc 1, donc je ne l'écris pas, multiplié par la dérivée de x au carré plus 2, donc 2x. Et on va pouvoir obtenir f seconde. Alors, u prime v, donc moins 4 facteurs de x au carré plus 2 au carré, moins v prime u. Donc, comme on u, c'est moins 4x, moins moins 4x, ça va faire plus x, plus 4x, pardon, facteur de 2 fois 2x, donc 4x, facteur de x au carré plus 2, le tout divisé par v au carré, donc x au carré plus 2 au carré, donc puissance 4. Donc ce que j'observe, c'est qu'immédiatement mon numérateur est factorisable par x au carré plus 2. Donc si je simplifie par x au carré plus 2 d'emblée, et même je vais me factoriser par 4, ça va me donner quoi? Alors attendez, là je ne veux surtout pas ouvrir une nouvelle page parce que sinon je vais me perdre. Je vais me mettre là-haut, dans le petit creux là. Alors, f seconde de x. Donc si on simplifie le tout par x au carré plus 2, celui-là va s'en aller. La puissance va être abaissée d'une unité, donc va devenir 1. Et ma puissance va être obtenue, va être descendue d'une unité, donc va devenir 3. Je factorise par 4. Qu'est-ce que c'est mon numérateur? Donc 4 sur x au carré plus 2 au cube va être facteur de quoi? Donc moins x au carré plus 2 plus, donc si je garde un des 4 en facteur, il me reste 4x au carré. Donc toute cette quantité là, le cube d'une quantité positive, prendre l'inverse et multiplier par 4, tout ça reste positif. Et donc le signe de f seconde est le signe de la quantité entre parenthèses. Donc je vais arranger un petit peu la quantité entre parenthèses. Donc le signe de f seconde de x est le signe de... Alors, 4x au carré moins x au carré, 3x au carré, moins 2. Donc j'ai simplement distribué mon moins et réduit. Alors, pour trouver le signe de cette quantité-là, bah toujours on factorise. Et donc ça, c'est racine carrée de 3x moins racine carrée de 2, facteur de racine carrée de 3x plus racine carrée de 2. En effet, j'ai vu 3x au carré moins 2 comme étant racine carrée de 3 fois x au carré moins racine carrée de 2 au carré.
et on utilise cette troisième identité remarquable. Bon, mon petit détail, je pense que je peux l'effacer, puisque de toute façon, il ne sert à rien. Enfin, je veux dire, on l'a dans la tête. Tac. Et donc maintenant, il faut que j'étudie le signe de cette quantité-là sur R tout entier. Alors, donc, est-ce que je peux pousser mon tableau? Non, je ne peux pas pousser mon tableau, c'est pas grave. Donc, le premier facteur s'annule en racine de 2 sur racine de 3, donc racine carrée de 2 tiers. Le deuxième facteur s'annule en moins racine de 2 sur racine de 3, donc moins racine de 2 tiers. Entre les deux racines, le signe est le signe de l'opposé du coefficient dominant, donc moins. Donc on a ainsi le signe de f seconde. On en déduit immédiatement la convexité et la concavité de f. Donc là où f seconde est positive, f est convexe. Là où f seconde est négative, f est concave. Là où les f secondes s'annulent et changent de signe, les abscisses pour lesquelles f seconde s'annule et change de signe sont les abscisses des points d'inflexion. Donc, abscisse de point d'inflexion. Et abscisse de point d'inflexion. Donc, il existe deux abscisses de points d'inflexion qui sont plus ou moins racine carrée de 2 tiers. Bon, j'écris pas de conclusion dans une phrase, je pense que le petit tableau dit tout. Et on s'attaque au 65, donc là je prends une nouvelle page. Alors, donc pour le 65, on considère la fonction kx associe x multiplié par exponentielle de 2,04x moins 1. Donc f est dérivable comme produit est composé de fonctions dérivables. Et même c'est infini. Donc là, c'est infini. Comme produit est composé de fonctions infinies exponentielles. Sont elles-mêmes de classe infinie. Donc on calcule f' de x. Donc pour calculer f' de x, il faut se rappeler la formule de dérivation du produit u'v plus v'u. U de x étant x, u' étant 1, v étant exponentielle de 0,4x moins 1, v' étant. Donc la dérivée de 0,4x moins 1, 0,4, multipliée par la fonction à dériver. On applique notre formule de dérivation, u'v plus v'u, donc u' c'est 1, u'v va être donc égal à exponentielle de 0,4x moins 1, plus v'u, donc plus 0,4x exponentielle de 0,4x moins 1. On voit immédiatement qu'on peut mettre en facteur exponentielle de 0,4x moins 1, qui est facteur de 1 plus 0,4x. La fonction exponentielle étant toujours positive, le signe de f', c'est le signe de, je dis n'importe quoi, c'est le signe de la seconde qui nous intéresse, donc il faut dériver une deuxième fois. Donc de nouveau, on utilise notre formule de dérivation du produit. Cette fois-ci, ce qui joue le rôle de u de x, c'est 1 plus 0,4x, dont la dérivée est 0,4,
et v de x n'a pas échangé depuis tout à l'heure, c'est exponentielle de 0,4x moins 1, dont la dérivée, dont la dérivée est 0,4 exponentielle de 0,4x moins 1. Donc on applique la formule de dérivation du produit. U'V plus V'U. On factorise par le facteur commun évident. Et donc F seconde est égal à 0,4 exponentielle de 0,4x moins 1. Facteur 2, 1 plus 0,4x. Donc ce plus-là étant celui-là. Donc ça, c'est facile. Ça nous donne 0,4 exponentielle de 0,4x moins 1. Facteur 2, 2 plus 0,4x. Bon, j'aurais pu factoriser une deuxième fois par 0,4, mais c'est pas très grave. Donc ensuite on cherche à étudier le signe de f seconde. Donc 0,4 fois l'exponentielle est toujours positif, et donc f seconde est du signe de 2 plus 0,4x. Donc la fonction qui a x associe 2 plus 0,4x est une fonction affine croissante qui s'annule en x égale moins 2 sur 0,4. Ça fait moins 1/4, c'est-à-dire moins 5. Donc c'est une fonction affine croissante qui s'annule en moins 5. Donc avant de s'être annulée, elle est négative, après s'être annulée, elle est positive. Et donc le signe de f seconde est donné par le signe de cette fonction affine. Là où f seconde est positive, la fonction est convexe. Là où f seconde est négative, la fonction est concave. L'abscisse du point d'inflexion est le point auquel f seconde s'annule et change de signe. Donc moins 5 est l'abscisse du point d'inflexion. Et ça termine donc le 65. On va pouvoir passer à l'exercice 77. Alors, pour que ça passe pas un trop document, je vais m'arrêter là et ouvrir un nouveau document. Donc, à tout de suite.